Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un haul laine bergère de France. Comme je vous l'avais promis il y a quelques jours. Donc là, ça a mis un peu moins longtemps que la dernière fois pour arriver. Une semaine pour arriver. Ça commence. Donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc c'était la commande que je voulais commander, vous rappelez, pendant le Black Friday, et qu'il y avait le PayPal qui fonctionnait pas. Et puis bon, j'ai commandé après, puis en fin de compte, du coup, ben, j'ai eu des cadeaux. Cette période là il y avait des cadeaux sur le site, donc ben, du coup j'en ai profité. J'ai pas été perdante. Alors, je vais vous montrer ça. Oh, j'ai déjà ouvert un carton, hein, parce que j'ai regardé quand même ce qu'il y avait dedans. Alors, il y a un bouquin, il y a en cadeau l'agenda, donc que je vais vous montrer après. Le dernier livre de Bergère de France. Bon, la facture. Et la laine. Alors, attendez, je vais mettre le carton comme ça, ça ira mieux. Alors là, j'ai un paquet de 10, comme ceci. Et c'est sur celle-là que j'ai eu de la laine gratuite. Alors, moi, j'avais besoin de 12 pelotes. Donc, j'en avais commandé 12. Donc, je vous la montre pour mieux voir la couleur. Voilà. Donc, le nom de la couleur, algue blanc. Voilà. Bon, mais c'est vert. Hein, c'est algue blanc. Alors, c'est de la Barisienne 7. Elle se tricote en 6,5. C'est de la 100% acrylique. 50 grammes, c'est des pelotes de 50 grammes qui font 80 mètres. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Alors, lavage à 30 degrés, mais moi je lave à froid, hein, comme ça je suis sûre. Pas de fer à repasser, le pressing on peut. Le séchoir, non, voilà. Bon. Donc, ouais, c'est ça. Donc, celle-ci est pour faire un modèle que je vais vous montrer. Bon, elles sont toutes les deux pour faire un modèle, hein, bien sûr. Et donc, j'ai eu droit à 4 pelotes gratuites. J'avais essayé du coup de diminuer ma commande pour avoir le nombre de pelotes gratuites qui auraient été pour la quantité que j'aurais voulu, mais j'y arrivais pas. Donc par exemple, si je mettais 9, j'en avais qu'une seule gratuite, donc j'en aurais eu 10. J'arrivais pas à faire 12 pour avoir avec les gratuites. Donc j'ai pris, ben, comme je devais prendre, 12. Et j'en ai eu 4 gratuites. Bon, j'arriverai à faire quelque chose avec, ou bien avec une autre couleur en plus, voilà. Comme il me reste de la beige, la crème, je ferai quelque chose avec. Voilà, ça ira très bien avec. Donc, voilà, là, du coup, j'en ai 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16... Alors, 16 pelotes. Est-ce que j'ai les prix unitaires? Oui. Alors, là, pardon. La Barisienne algue blanc, elle était à 2,60 €, la pelote. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que, en prix promo, elle était beaucoup moins chère. Mais bon, tant pis, hein.
Ensuite, il me fallait pour un autre modèle. Alors ce modèle-là, pour celle-ci, je vais vous la montrer sur un catalogue. Je vais vous montrer tout de suite. C'est pour faire quoi? C'est pour faire un pull super simple, pas prise de tête. Alors, que j'ai dans ce livre-là. Donc c'est le livre Barisienne 7 et 12 que je vous ai présenté la dernière fois. Donc je vais faire ce modèle-là. Il est hyper simple, il va aller très vite à faire. C'est du jersey, du point mousse, vous voyez. Donc rien de compliqué. Celui-là, il va être très vite fait. Donc j'avais mis... Ouais, c'est ça, en XL 12 pelotes. Là, il va se tricoter par contre en aiguille 8. Donc, ça va aller encore plus vite. Je vais regarder, oui, il se fait bien en un seul fil. Oui, donc rien de... Bon, je vois que j'ai des petits surjets à faire. Bon. Ça va. Non, rien de compliqué. Alors la couleur là qu'il montre sur le modèle, c'est le modèle la couleur menhir. Si jamais vous voulez voir quelle couleur que c'est. Alors ici, pareil. C'est un paquet de 10 plus deux pelotes. Là, j'en ai pas une gratuite parce qu'elle était en promo, hein, celle-là. C'est de la toison. Voilà. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, là, on voit bien la couleur. Elle est un peu comme des bouclettes. Voilà. Un peu, alors les couleurs Bordeaux, eux ils appellent ça Porto, oui, couleur du Porto. Alors celle-ci c'est 50 grammes, elle fait 70 mètres environ. Je cherche le nettoyage ici, toujours à 30 degrés. Pas de repassage, bien sûr. Voilà. Aiguille numéro 6. Ah, voilà. 77% d'acrylique, 20% de laine peignée et 3% de polyamide pour celle-ci. Oui, oui. Donc, celle-ci, ça va être pour faire un gilet. Je ne l'ai pas sur le catalogue puisque c'est un modèle gratuit qui est sur le site internet, donc je vous montre l'image. Voilà, vous avez vu l'image. Donc là c'est pareil, c'est un gilet assez simple, hein. Donc, un gilet pour mettre comme ça tous les jours. Pareil, des gilets j'en ai plus, donc la laine. Donc, ah oui, celle-ci, par contre, je ne vous ai pas dit le prix. La toison, elle était à 1,10 €. Donc, ça va. Donc, elle était en promo. Hein. Donc, ici, je vous dis, j'ai eu l'agenda gratuit en cadeau et j'ai acheté par contre le cahier des fiches créatives. Alors je vais essayer de vous montrer les modèles qu'il y a dedans parce que celui-là est accompagné normalement, je l'attends, je l'ai pas encore reçu, du petit livret, vous savez, où il y a tous les échantillons de laine collés dessus.
Donc sur celui-là, c'est le livre avec toutes les explications. Voilà. Là, il n'y a que les explications, il n'y a pas les grandes photos. Les grandes photos sont dans le... Sur le petit, c'est un petit, fait à peu près la moitié du livre, et il y a tous les échantillons de laine. J'attends, on m'a dit qu'il fallait 15 jours, 3 semaines pour le recevoir, parce qu'ils ne font qu'un seul envoi, ils font des envois groupés pour ce petit livre. Donc j'attends. Bon, pareil, je vous le montrerai dès que j'aurai reçu. Mais là, je vais vous montrer donc le mieux que je peux les images de quand même de celui-ci, des modèles qu'il y a dedans. Voilà. Là, il y a des modèles pour femmes, il y a des modèles pour hommes et il y a des modèles pour enfants. Vous voyez, on voit déjà derrière. Voilà. Alors là, ça va débutant à l'intermédiaire à l'expert, hein. Il y a vraiment pour tout le monde dedans. Donc là, il y a dedans, je sais qu'il y a des modèles que moi je ne pourrais pas faire. Oui, hein, je ne suis pas bonne en tout, hein, quand même. Mais bon, je vais essayer de vous montrer au mieux. Avec le téléphone face bureau. Et puis en même temps, je vais vous montrer les modèles qu'il y a dans l'agenda. Parce qu'il y a des petits modèles dans l'agenda. Alors l'agenda, bah, du coup, il va me servir pour l'année. Bah, pour les vidéos, pour tout ça. Pour marquer bah, justement les modèles de tricot que je fais. Quoi. Voilà. Allez, je vais changer le téléphone de place. Et je vous montre tout ça. À tout de suite. Donc voilà, le livre, donc le cahier de fiches créatives, création 2021-2022, voilà, Bergère de France. Alors, vous voyez, il y a déjà des modèles enfants. Alors, il va y avoir des modèles au tricot. Des modèles au crochet également. Voilà, là c'est tous les modèles qu'on va avoir dedans. Alors là c'est petit, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'essaie déjà de vous les montrer un peu comme ça. Désolée pour l'ombre, hein, mais... J'essaie de vous montrer déjà au mieux comme ça. Mais bon, quand je recevrai votre petit carnet, je pourrai mieux vous les montrer. Alors, dans celui-ci, on vous explique déjà les bases de tricot, hein. Point mousse, jersey en droit, en vert, le point de blé, les cotes de deux, les A1, le point de riz, les surjets, le jeté, enfin, toutes les... comment toutes les choses les plus importantes à savoir, les augmentations, on vous parle un petit peu du point fantaisie, on vous explique que par rapport à une grille, voilà, tricoté en sens inverse, les ronds raccourcis, le jacquard brodé, voyez, pour broder sur du jacquard, enfin sur le tricot. Alors ici, il y a les bases du crochet, puisqu'il y a des modèles au crochet à l'intérieur. Alors là, il parle pour faire les boutonnières. Les coutures invisibles, les craftings, les voilà. Les points de broderie sur le tricot.
Comment lire, il vous explique comment lire une bande de pelote, à quoi tous les symboles correspondent. Pareil pour les symboles d'entretien du tricot qu'il y a sur la bande, à quoi ça sert, à quoi ça correspond. Et voilà, donc là, bon, là, il parle un petit peu de la société. Et ici, on arrive dans le grand sujet. Alors, il y a beaucoup de modèles, hein, vous voyez. En tout, il y a, ah, il n'y a pas de chiffres. Non, il n'y a pas de chiffres. Là, c'est 1900 et là, c'est 1900. Alors, il y a 92 modèles dedans. Voilà. Là, c'est un pull été ajouré et torsadé. Alors, je vais peut-être pas vous les montrer tous là cette fois, mais voilà, pull ajouré col bateau, ici un pull cap. Bon, c'est beaucoup mieux quand on le voit porter, hein. Et un pull col amovible. Un gilet col V ajouré. Un pull manche 3/4. Bon, moi j'appelle ça les pulls tubes, hein, vous voyez, par rapport au patron. Parce qu'on tricotait il y a de nombreuses années. On faisait ces pulls, même bon, les manches étaient plus rectangulaires. Ça faisait, j'allais à l'école, je crois, on tricotait déjà ces pulls-là. Là, gilet torsade. Alors là, vous n'allez peut-être pas bien le voir, mais il y a une tête de tigre de tricoter dans le dos. Oui, ça, c'est le genre que moi je ne ferai pas par contre. Et on voit sur la, voilà, sur la grille, la tête de tigre qui est... Alors là, je sais qu'il y a une photo, voilà, un pull à franges. Ici, c'est un pull col V dentelle. Mais on les voit pas bien, hein, là-dessus, je suis désolée. Donc... un pull marin floral. Une robe tunique jacquard. Bon, un peu courte, hein, je pense, parce que la hauteur, elle fait 80... Dans la plus grande taille, c'est 90 cm. Hein, donc... dans la plus petite taille, non, plus grande taille, 90 cm. Donc là, c'est un poncho. Un pull. Alors attendez, je vais peut-être. Je vais faire quelque chose. Hop, voilà. Ah ben voilà, on voit mieux. Un pull torsade col montant. Vous voyez, c'est visé de... voilà. Un gilet à torsade col rond. Pull à torsade sans manche. Voilà. J'aurais dû penser à ça depuis le début, ça aurait été mieux.
un pull motif torsade. Pull motif jacquard. Un peu spécial quand même là. Ah, c'est beau, mais bon, je ne mettrai pas. Pull jacquard col montant. Pull fin torsade. Une veste multico col châle. Une veste ceinturée. Une grosse veste croisée raglan. Alors, je ne vous ai pas dit les laines, par contre, qu'ils utilisaient avec. Je suis désolée. Je vous le redirai en vous représentant l'autre livre. Ce sera plus simple. Parce que là, il va y avoir beaucoup de laine. Pull jacquard col rond. Là, c'est de la Sport 6, par exemple. Là, il est blanc, hein, blanc sur blanc, il ne se voit pas bien. C'est un pull col montant, manche brodée. Vous voyez, en toison et barisienne. Un petit bonnet, façon béret. Donc, vous voyez hein, le nom de la laine. Alors, ici au crochet, pull à fleurs au crochet. Un pull camionneur. Un pull col V, col fantaisie. Donc à chaque fois là, c'est la laine que vous voyez. Une robe, alors là c'est pour enfants. Une robe col en broderie anglaise. J'aime bien ce pull, il me fait rigoler, mais c'est les manches qui sont, que je trouve bizarre. Pull manche bicolore. Je trouve le bas des manches, je sais pas, bizarre. Donc, mais c'est pour enfants aussi. Hein. Vous voyez, ça fait. Voilà. Pourtant là, ça fait pas bizarre. Donc, je sais pas. Ah oui. D'accord. Parce qu'on voit pas le blanc sur la photo. Il y a du blanc. Ok. C'est pour ça que je disais, ça faisait bizarre. Voilà. Donc sur. Voilà ce que ça fait. Une veste croisée mi-saison. Donc là, c'est adulte. Là, enfant aussi. Un pull jacquard. Cœur. Pull torsade, col rouloté, une veste zippée, col montant, un pull camionneur pour enfants, voilà le modèle. De temps en temps, il y a une photo quand même. Ici, une veste à torsade, col châle. Je pense plutôt que c'est pour un homme, ça. Ils disent pas. Mais ça me paraît plus pour un homme. Je sais pas. Un bandeau. Pull jacquard, point fantaisie. Ça aussi, hein, ça doit être pour homme. Là aussi, pull tricolore col V. Là, un grand col. Un poncho, ici. Un gilet manche trois quarts. J'aime bien ce gilet, ce pull. Pull jacquard chat. Donc, c'est pour les enfants.
Pull rayé col rond pour adulte. Une grande écharpe à franges. Une veste longue ajourée. Là, bof. Bof. Pull jacquard sapin. Là, c'est pour les enfants. Pull torsade col roulé. Donc là, je pense que c'est pour hommes. Parce que les tailles commencent à partir du M. Écharpe à capuche. Un gilet bord roulotté. Pull fin rayé. Là, on le voit en photo. Un gilet ajouré feuille col V. Gilet raglan à bande. Une veste à basque torsade. Qu'est-ce qu'elle me fait? Des bêtises. Elle cherche à aller faire pipi dans un fauteuil, je le vois. Elle tourne. La vilaine. Un surpull zippé. Donc on voit la photo là. Puis la torsade raglan zippé. Pull raglan col rond, un gilet jacquard à capuche, donc pour enfants, veste à torsade col châle pour enfants, un pull col rond pour enfants, tout simple. Là, voilà. Un petit bonnet, un snood, un pull torsade ajourée pour adulte, qu'on voit ici, là un ensemble bonnet snood et masque. Là, pour enfant, un gilet zippé col montant. Un bonnet tricolore enfant qui irait très bien avec le gilet. Un gilet raglan à motif pour enfant. Enfin, pour petit enfant, pour un bébé, là. Parce qu'on parle en moins. Alors ici c'est pareil, c'est pour bébé, bonnet et bandana. Là on est parti dans les bébés. Une gigoteuse. Un gilet raglan à torsade. Pull jacquard raglan, toujours pour bébé. Le petit pantalon à revers pour bébé. Pull jacquard raglan pour bébé. Un gilet torsade à capuche. Bon, là, c'est des pages qui, moi, m'intéressent pas. Hein. Le petit gilet tout mignon, hein. Et moi, bon, il n'y a plus de bébé, hein, donc une brassière. Donc, voilà la brassière. Un
un pull jacquard de montagne. Pareil pour bébé. Enfin, ça va de 12 mois à 48 mois. Donc, c'est déjà le gros bébé. Hein. Une robe à torsade ajourée. Une cape à capuche. Toujours pour bébé. Voilà. Blouson doublé à capuche. Un pull avec un motif de mouton. Encore un autre. Ouais, c'est le même, hein, je pense. Ouais, c'est la laine qui change. Hein. Le gilet zippé sans manches. Voilà. Une tunique jacquard. Un petit gilet col rond. Un bonnet à visière. Une petite combinaison pingouin. Des petits chaussons. Encore une petite combinaison un peu marinière. Une robe et un bandeau. Un boomer rayé. Alors là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, c'est blanc. C'est une brassière et les chaussons. Et c'est terminé. Voilà. On a tout vu. Hop. Voilà. Donc, voilà tous les modèles qu'il y avait dans ce livre. Donc, dès que je recevrai le petit cahier avec tous les modèles de laine, les échantillons de laine, je vous montrerai. Comme ça, vous verrez mieux les modèles. Et donc, maintenant, l'agenda. Je trouve très joli. Hein. Alors, on l'a gratuit. Normalement, il est au prix de 7 euros. Alors, il est gratuit jusqu'au 28 décembre. Après, il sera payant. Alors, d'abord, on a un petit sommaire qui nous explique pour nous retrouver les modèles. Et là, il y a plusieurs pages qui expliquent la laine française. Voilà. Comment elle est fabriquée du début jusqu'à ce qu'elle arrive chez vous. Un petit reportage en texte et en images. C'est intéressant de voir comment ça s'est fabriqué. Voilà, là c'est l'usine. Bon, là, la photo, elle est ancienne. Hein. Mais... voilà. Là, c'est tous nos petits colis quand ils partent. Et là, justement, c'est la fabrication des petits carnets avec les échantillons de laine. Alors, voilà les... certains modèles qu'on va retrouver, donc l'écharpe à capuche, la cape poilue, le plaid à torsade, et voilà, l'agenda se trouve comme ça. Donc, vous avez une case pour ne pas oublier, et après lundi, mardi, mercredi, etc. Hein.
une semaine par page. Alors, on va avoir des chaussons. Bon, il y a beaucoup de chaussons, hein, j'ai vu. Donc, des chaussons pour enfants. Des petites mules à faire au crochet pour les adultes. Quand des chaussons. C'est un spécial chausson. Chausson jacquard pour enfants, des mocassins adultes au crochet. Voilà, encore des ballerines, des espadrilles à faire au crochet. Ils auraient pu mettre un peu moins de chaussons, mettre un peu plus de modèles, des écharpes, des bonnets, un peu plus d'accessoires, je trouve, que mettre que des chaussons. Voilà. C'est un peu dommage. Et voilà, et ici, on arrive à la partie où il y a les explications. On vous explique tout, hein. Donc ici la cape poilue et en dernier ça doit être certainement c'était le plaid. Le plaid fait 1,20 m sur 1,20 m. Il doit faire son poids, hein, je pense. Il faut combien de laine? 32 pelotes. Donc, si vous voulez le faire, vaut mieux profiter des soldes. Moi, c'est de la barisienne, hein, donc c'est pas, c'est la laine la moins chère. Mais bon, écharpe à capuche, voilà. D'ailleurs, il faut 11 pelotes. Voilà, ça c'était l'agenda. Bon, là, un petit hic, ils auraient dû mettre un peu moins de chaussons, comme je dis. S'ils voulaient faire un agenda et faire des accessoires, voilà, genre écharpe, bonnet, des moufles, pourquoi pas. Laisser quelques chaussons, quelques petites sandales. Pour les adultes, ok, mais mettre d'autres accessoires avec. Là, je trouve qu'il y a quand même trop de chaussons, parce que bah, comme quelqu'un comme moi qui n'a pas de petits enfants, moi ils sont devenus grands quand même maintenant, donc ils n'ont plus besoin de ça. Ben, l'agenda, les modèles qu'il y a dedans, ben, vont pas me servir à grand chose. Bon, là, c'est des chaussons adultes, d'accord, mais chaussons enfants. Là, je pense que c'est adulte. Chaussons guêtres à grosse torsade. Pour les pointures 37, hein, c'est les pointures ouais, adultes, jusqu'au 41. Les chaussons enfants encore jusqu'au 32-35, voyez. 32-35, la plus grande taille là, encore. Non. Il est bien, mais il aurait fallu mélanger un peu les accessoires, je trouve. Voilà, c'est mon avis.
Bon, ben voilà ma petite vidéo pour mon petit haul. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais vous mettre en barre d'infos, comme je fais d'habitude, les liens des articles que j'ai achetés. Et puis le lien de le lien de l'agenda, je ne pense pas qu'il y en ait pour l'instant, puisqu'il est donné pour les commandes à partir de 49 € hein, de commande. Et c'est jusqu'au 28 décembre. Ça, je vais vous mettre le lien et la laine également. Je vais vous mettre le lien. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.